Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alors dans le prolongement de cette série spéciale confinement, je vais essayer dans cette vidéo d'apporter quelques rectifications dans l'exercice spirituel d'écrire son propre testament. Vous avez sans doute remarqué qu'à force d'écrire, à force d'essayer d'extraire des enseignements de notre vie, de nos souffrances, et de coller tous ces morceaux, parce que le but, c'est d'écrire justement à un moment donné du temps de la journée, à savoir après le shuluq. Et l'exercice de respecter ce programme-là, il est plus bénéfique que d'écrire. Parce que écrire, ça peut nous aider à nous développer intellectuellement, et en luttant contre l'incarnation du diable, qu'est le flou, l'ambiguïté, l'ignorance. Il faut savoir que le diable a des noms, et lutter contre ces noms-là, c'est une manière de lutter contre lui indirectement. Et l'un de ces noms, c'est le flou, l'ambiguïté, l'ignorance. Et par ce travail d'écriture, on aspire à développer notre clairvoyance, notre lucidité, par l'entremise de la compréhension de notre existence. Donc cet exercice intellectuel est fondamental. Mais on a besoin aussi de contrecarrer notre ego. Parce que qui dit spiritualité dit l'action de éduquer notre âme bestiale. Et ceci ne peut se faire sans un programme à même de la contrecarrer, de la cadrer, de la discipliner. D'où l'importance de respecter une certaine cadence. Et pour ne pas tomber justement dans le piège d'être anarchique. Et il faut savoir que l'anarchie est l'un des noms du diable, comme le gaspillage, comme le manque d'hygiène, tout ça, ce sont des formes d'incarnation du démon, et lutter contre ces reflets du diable, c'est lutter contre le diable. Donc c'est une manière de lutter indirectement contre lui. Lutter contre la saleté, lutter contre le gaspillage, lutter contre l'anarchie, lutter contre le flou, l'ambiguïté, etc. Parce que c'est par ces voies-là que le démon réalise ses succès. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer d'apporter quelques rectifications dans la manière de faire cet exercice d'écrire son propre testament. Et vous l'aurez sans doute remarqué, l'objectif à long terme, c'est d'écrire un livre autobiographique. C'est-à-dire, à force de réunir des anecdotes dans lesquelles vous allez essayer d'extraire des sagesses, vous pourrez composer un ouvrage autobiographique de votre vie. Et à mon sens, c'est l'un des plus beaux cadeaux que l'on peut offrir à notre progéniture ou aux gens qu'on aime, parce que apprendre à connaître quelqu'un, c'est l'une des conséquences de l'amour. Quand on aime quelqu'un, on aspire à le connaître. Faire connaissance pour aimer, ou c'est l'amour qui nous pousse à connaître? Bonne question à développer. Ceci dit, il y a une étroite corrélation entre le désir de connaître quelqu'un et l'amour. Et c'est un excellent cadeau que de pouvoir permettre aux gens que vous aimez et aux gens qui vous aiment de leur offrir l'opportunité de vous connaître, moyennant un écrit par lequel vous allez essayer de vous mettre à nu spirituellement. Ceci dit, petite anecdote, en tout cas une petite morale que j'ai envie de vous enseigner. J'ai remarqué qu'il y avait une différence entre le virtuel et le réel. Bon, comme vous le savez, et je l'ai souvent répété, la personnalité se scinde en deux. Vous avez une personnalité de forme et une personnalité de fond. Et le plus important, c'est la personnalité de fond. Pourquoi ? Parce que les épreuves sont là pour faire ressortir cette personnalité de fond. À ce sujet, notre prophète alayhi salatu wassalam rapporte un hadith, celui qui nous permet de comprendre justement le destin. Il y aura des gens qui auront fait du bien toute leur vie, au point d'être à un empan du paradis, et ils vont faire un acte qui va annuler toutes leurs bonnes actions et rentreront en enfer. Vous avez d'autres personnes qui vont faire du mal toute leur vie, au point d'être à un empan de l'enfer, et vont faire du bien qui va annuler tout leur mal, et ils vont rentrer au paradis. À travers cette tradition-là, on comprend, outre le fait que l'acte est un témoin, en tout cas un justificateur
de notre destinée. On peut justifier notre destin, enfin notre destinée après la mort, moyennant nos actes, d'où le fait que les actes sont liés à notre avenir et qu'on ne peut pas prétexter le destin pour se refuser d'agir. C'est une sagesse que l'on peut extraire de ce hadith-là. Mais la seconde sagesse, qui à mon sens est fondamentale, c'est que le plus important, c'est le fond. Et que le destin peut s'imposer à vous, alors que vous, vous n'êtes pas en symbiose avec ce dernier. Dans le sens où Allah peut vous prédestiner le mal. Il peut vous pousser à faire du mal. Mais ce qui compte, c'est votre ressenti. Est-ce que vous êtes en symbiose avec ce mal, ou bien au fond de vous, vous n'êtes pas bien, ou vous pouvez regretter, ou le renier, ou... Ce qui compte, c'est le fond. D'où l'importance de ne pas juger. Le croyant authentique est une personne qui ne juge pas, car Allah subhanahu wa ta'ala peut vous imposer le mal, alors que nous, nous ne voyons pas le fond. On n'a pas le pouvoir de déchirer la poitrine des gens pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. On doit se limiter aux apparences. Et le sens de cette recommandation prophétique, l'action de juger selon les apparences, c'est justement de ne pas scruter l'intériorité des gens en faisant d'eux des personnes mauvaises à cause de leurs actes, car il est possible qu'ils ne soient pas en symbiose avec leurs actes. Malheureusement, beaucoup de gens ont choisi le camp de l'hypocrisie, le camp de la négativité, l'action de juger les gens en fonction de leurs actes, juger leur intériorité. C'est ça qui est grave. Car il n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala de juger les intériorités. Nous, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas. Même le prophète alayhi salatu wa salam ne pouvait pas. Et c'est pourquoi on reconnaît une personne à ses actes. C'est vrai. On reconnaît une personne à ses actes. Mais il est important d'ajouter à cette parole-là le principe essayez de connaître une personne à travers ses actes et ne vous limitez pas à connaître une personne à travers l'interprétation qu'on peut se faire de ses actes. Donc, si il vous est donné l'opportunité de connaître une personne directement par ses actes, ok, vous pouvez apprécier une personne à travers ses actes. Par contre, il y a un fossé entre ceux qui apprécient une personne à travers ses actes directs et ceux qui apprécient une personne à travers l'interprétation qu'on peut se faire de ses actes. Parce qu'il y a des gens qui interprètent mal. Il y a des gens qui sont mal intentionnés. Il y a des gens qui focalisent sur le mal et qui faussent volontairement des portraits. Il y a des gens qui n'ont pas la sagesse d'inscrire un acte à travers une vision globale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Allah peut imposer le mal à ses serviteurs alors que leur fond n'est pas en symbiose. Et le plus important dans tout ça, c'est le regret. Quand vous avez des gens qui regrettent le mal qu'ils ont accompli et qu'ils le disent avec humilité et transparence, vous avez des personnes qui sont de bonnes personnes, ayant un bon fond. Par contre, les gens mauvais, ce sont ceux qui tentent de se justifier quand ils font du mal parce qu'ils veulent rendre absolument vrai leur mal par la justification et la légitimation, comme Iblis qui a osé se justifier devant la vérité. Ce sont ces gens-là qui ne reconnaissent pas leur tort, qui seront consécutivement maudits comme l'a été leur père spirituel Iblis. Il faut apprendre à reconnaître ses torts. Il faut apprendre à regretter, à se repentir. Tous les enfants d'Adam sont des pécheurs. Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui demandent pardon et qui se repentent. Personne n'est infaillible. Le plus important, c'est le regret intérieur. Tâchons de faire partie de cette communauté qui demandent pardon et qui ne jugent pas autrui à travers leur forme.
Et laissons les autres, ces gens qui jugent et qui s'estiment vaniteusement et qui cherchent la petite bête par jalousie parce qu'ils ne supportent pas votre bonheur et votre épanouissement. Ceci était pour le rappel, donc ce serait bien que je fasse un petit peu de rappel au début de chaque vidéo, histoire de ne pas focaliser uniquement sur les exercices spirituels. Je vous signale qu'à partir de demain, nous ajoutons un autre exercice, à savoir le Qiyam Layl, l'action de prier la nuit. Je vous l'ai dit, il est important, si vous voulez avoir une protection lumineuse contre toute attaque démoniaque, des personnes toxiques et des gens à la méchanceté gratuite, parce que vous avez des gens, et ils sont très nombreux à notre époque, ces gens-là qui incarnent l'ingratitude par excellence. Vous leur avez fait du bien et ils vous répondent par du mal. À la rigueur, quand vous avez fait du mal à une personne et que vous le regrettez, vous pouvez comprendre que la personne aspire à se venger des conséquences de sa blessure. Vous avez des gens qui marquent toute leur vie et qui peuvent refuser de vous pardonner des conséquences de cette rancune profonde. Voilà, il y a des gens qui sont troublés et qui marquent et qui peuvent ne jamais vous pardonner un tort que vous avez commis et que vous regrettez. Mais il y en a d'autres, vous n'avez commis aucun tort à leur égard. Ils vous détestent gratuitement parce qu'ils ne supportent pas de vous voir heureux, épanoui. Ces gens-là abondent à notre époque. Et ils sont certes maudits, qu'Allah les réunit entre eux. Et qu'il préserve les gens bons de s'associer avec eux. Donc, l'objectif, Inch'Allah, dès demain, c'est de commencer un autre acte spirituel, à savoir la prière de la nuit. Donc, concernant l'exercice de l'écriture, je voulais juste apporter quelques informations. Le but, ce n'est pas de tout dire d'un coup, hein. Le but, c'est d'essayer d'extraire une sagesse de votre existence, moyennant l'analyse d'une anecdote. Prenez juste une anecdote de votre vie, écrivez à son propos, en essayant d'extraire une sagesse, un enseignement, un concept à même de nous permettre d'évoluer positivement. Donc ce sera plus simple. Et dès que vous avez terminé l'écriture de cette anecdote, vous pouvez prendre votre pause. Donc on commence l'écriture à partir du shuruq. Je le répète, le plus important, c'est de respecter le moment de l'exercice. Parce que c'est à ce moment-là qu'on se développe spirituellement, justement. Le respect d'une discipline est thérapeutique en soi, en tout cas dans l'action de contrecarrer cette âme bestiale qui aspire à faire de ses passions la norme. Ensuite, il faudra, Inch'Allah, donc, si vous le pouvez, essayer de produire un audio dans lequel vous allez nous faire part de cette anecdote approfondie, moyennant justement un audio qui nous permettra de partager cette expérience avec vous, cette expérience qui peut nous aider à nous développer. Il faut savoir, je le répète, que cet exercice est fondamental parce qu'il permet justement cette lucidité qui fait mal au diable. Être lucide, en fait, se battre à l'endroit de la plume, parce qu'il faut savoir qu'on combat un ennemi soit physiquement, entre guillemets, par l'épée, ou soit intellectuellement par la plume et la langue. C'est comme ça qu'on lutte contre les hypocrites, par la plume et la langue. Et il faut savoir que lorsque vous apportez des arguments lumineux, il y a en réalité des défaites de l'autre côté, donc du côté démoniaque, qui peuvent se traduire dans un rêve par l'action de tuer un diable, par exemple. Si dans un rêve vous tuez un diable, c'est que dans la réalité, par un acte de votre part, vous avez fait avancer la lumière. Et on peut faire avancer la lumière par un savoir. Donc je sais qu'il y a plein de personnes qui me détestent des conséquences de mon enseignement. C'est des gens vis-à-vis desquels je ne leur ai pas fait de mal directement. Il suffit que je donne un exemple. Si une sœur, elle écoute mes vidéos, elle prend conscience qu'elle est avec un pervers narcissique, elle s'en écarte,
ben, le pervers narcissique va me détester, moi, parce qu'il va me considérer comme étant la cause de la libération de sa proie. Donc c'est normal, à partir du moment où vous cheminez dans la voie du démasquage des hypocrites, forcément, vont se dresser sur votre chemin toutes ces troupes, cette horde de démons sur pattes, pour reprendre une expression de mon ami Amine. Donc, dès demain, on passe à l'exercice spirituel de la prière de la nuit.